Christophe, ça me va. Christophe, il aurait 165 poissons, et là, en quelques poissons, il aurait fait 1200 plus 150. Il serait en train de rentrer. Il serait quoi pour toi, un secteur? Il serait bien, c'est ça? Il serait revenu dans les 5, après, ouais. Du haut, je pense que ça rentre aussi. C'était, quand je suis passé, c'était vraiment éteint là. Le sec que je voulais encore faire le poisson régulièrement, c'était Stéphane Lander. Ouais. Tu sais, moi. Il y a Michael qui a fait une belle apparence. Puis sa pêche qu'il a à côté, ça va remettre dans le filet. Après, on sait la dernière heure ici. À l'autre bout du secteur, c'est le contraire, j'ai l'impression. Ça s'est vraiment éteint. Ah, ça s'est vraiment éteint. Mais... ça fait nos affaires. Oui, je sais bien, mais tu sais très bien que quand je passe, un quart d'heure après, ça peut être tout à fait différent. Oui, mais des fois, l'année dernière, j'ai failli t'attasser mon siège, hein, quand même. C'est justice. Avec ce qu'il avait fait pour moi, c'est justice. Allez, mon pote. Il reste combien de temps de pêche? C'est beaucoup, là. J'ai 19 poules. Allez, 30 secondes. 15 secondes. Allez, c'est fini. C'est fini. Good Nina, Johan. On vérifie. On n'est pas de... De 1664. De 1664. Je suis vraiment gauche. C'est pas si haut que ça, les plaques. 4009. C'est bon. 4183. Du fruit.2480.2629. 2754. T'es premier, t'es deuxième pour l'instant. On sait bien ça. Non, c'est bon. 2980. Ah bien.2755. Ah, dur. 3661. C'est beau. Bravo, Jimmy. Oh, je suis très bon. Ouais. 2760.
Oui. Tu pourrais m'expliquer en gros J'ai pêché un peu comme tout le monde, j'ai fait trois coups, donc j'ai fait un coup à 4 mètres, un coup à 7 mètres et puis un coup à 13 mètres, la canne pleine barre. Donc j'ai débuté à 4 mètres, c'était beaucoup de petits gardons de entre 6 et 10 points. Et a priori là-bas, plus sur la droite, les poissons étaient un peu plus jolis, mais bon, après j'ai fait pas mal de nombres, on va dire, je sais plus, j'ai 160 ou 180 poissons. Et j'étais dans entre 5 et 7 à 2h30 de la fin. Et j'ai toujours alimenté un petit peu le loin avec des vers coupés, des casters et un petit peu de fouillis. Et la dernière demi-heure, je suis parti au loin et j'ai pris deux plaquettes, un carassin, une perche, deux gros gardons. Et c'est ce qui m'a permis de remporter le secteur. Donc à une demi-heure de la fin, voilà, de 7, je passe premier. Bon bah continue maintenant. Voilà, donc il reste encore deux manches. Parce que j'ai vu, ça va être dur. Oui, eh ben, ça sera dur pour tout le monde. Voilà. Donc bon, après partir comme ça avec un point, c'est déjà très bien, on va dire. Il vaut mieux partir comme ça. Ouais. Mais c'est pas tout le temps le cas. Bravo. Voilà, merci. Et à demain. Bon alors Stéphane, tu fais combien? Bah écoute, je fais 3e Jean-Michel. Voilà. 3e au numéro 8, en plein milieu. Donc je voulais essayer de faire dans les 6 premiers. Ça aurait été beau. Et bah ouais, j'ai fait 3e, 150 poissons pour 3 kilos. Donc on va dire que ça démarre bien. Quoi. Voilà. Bon. Je le garde. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as fait mal à un certain Stéphane Potelet. On était tous les deux, effectivement. Le sort a fait qu'on est tombé côte à côte, hein, au 7 et au 8. Ouais. Et à 300 grammes près, voilà, Stéphane fait aussi une belle manche parce qu'il termine 5e. Il a très bien pêché et un tout petit peu plus petit. Il fallait à tout prix faire ces 300 grammes en plus parce que 300 grammes, ça coûte cher en place. Hein. Et ben, ça fait. Tu aurais pu faire 5 avec 2600 et quelques. Ouais. 2007, tu es 5. Et puis avec 3000, tu es 3. Puis après, il y a 4100 et 3006, donc là on joue plus, mais voilà. Bah écoute, c'est bon, c'est Jimmy qui t'a battu. Et puis après, c'est Christophe Gazanois. Voilà, et puis. Bon. Des petits pêcheurs. Sur les extrémités, donc vraiment au milieu, je suis satisfait. Vraiment. Bon, t'aurais quand même préféré pas lui faire trop mal, hein, Stéphane? Non. On peut pas dire trop mal, hein, on a 3, 4, 5, voilà. Il aurait fait 5, j'aurais été content, pour lui, pour moi. Mais c'est ça qui était beau à la pesée, c'est de le voir te regarder, il était content pour te dire, oui. La vache, il m'a battu, mais bon, après, il est content. Et voilà, c'est la pêche, on partage tout, c'est pas un problème, maintenant qu'on pêche, bah voilà, on pêche. Et ça vous empêchera pas ce soir de tout partager encore une fois. Sur une benade, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon bah, merci beaucoup en tous les cas. Mais de rien. Et votre état d'esprit, c'est ce qu'il faut avoir pour moi. À bientôt. À bientôt. Bon alors Stéphane. Il y a certains Stéphane Linder qui osait te battre. Qu'est-ce que t'en penses? Il y avait un bon match là en fait. On s'est tiré la bourre sur une pêche à mi-distance entre 7 et 8 mètres. On a pris des petits gardons. Je crois qu'il finit avec 150 poissons ou 149 et moi j'en ai 151. Donc globalement on a plus ou moins la même pêche, sauf que lui il a un peu plus de poids. Je crois qu'il va finir avec 2 kg 900 et quelques quand j'en ai 2 kg 700 et quelques. Voilà. Donc, c'est 2 ou 300 grammes, ça coûte cher. Hein. Ça coûte 2 places. Disons qu'il y a 6 grammes qui me coûtent déjà une place, parce que Didier Delannoy finit 4e du secteur avec 2760 et moi j'ai 2754 pour être précis. Voilà. Donc en fait, on sait bien que chaque poisson peut faire la différence, la preuve. Hein. Un tout petit poisson de 6 grammes, ça coûte un peu. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et toi, tu m'as dit que pour toi, ton erreur, c'était... Alors, mon erreur, en fait, si tu veux, je suis pêché pendant 3h30 la pêche à mi-distance. Mon voisin, c'est-à-dire 8 mètres? À 8 mètres, ouais, entre 7 et 8 mètres. Et mon voisin, Michael, a pris une belle brème à 13 mètres, en fait, une brème donc de 800 grammes. Ça t'a mis le feu. Et en fait, si tu veux, après, sur le bout du secteur, il y a Christophe Gazanois qui en a pris aussi. Et du coup, ça m'a mis le doute par rapport au fait que ça pouvait reculer au classement. Et je me dis, il m'en faut une pour essayer de passer devant. Quoi. Et du coup, j'ai pris l'option de quitter la pêche de bord. Pas longtemps, hein, mais un quart d'heure, quoi, un quart d'heure à la fin. Et ben, tu prends 6, 7, 8 poissons et ça suffit pour juste te faire battre. Voilà. Donc, c'est le jeu. J'ai tenté, j'ai pas gagné. Et je vais dire, en règle générale, quand tu as des touches, et que tu refuses les touches pour faire plus fort, ça réussira rarement.
Voilà. Mais bon, j'ai quand même tenté. C'est pas un bon coup, mais au moins, j'aurais essayé. T'auras pas ça dans la tête en disant « Et si j'avais fait ça, peut-être que… » Non, bah du coup, j'ai dans la tête, si j'étais resté, ça aurait été mieux. Bien sûr. Voilà. Mais c'est comme d'habitude, à la fin, c'est tellement facile. C'est tellement facile à la fin, c'est comme d'habitude. On ne sait jamais où on en est. En tout cas, le secteur a été très, très, très serré. Parce que je crois que moi, je suis 5e avec 2700 et quelques. Didier est également 4e avec 2700 et quelques. Et je crois qu'on est 8 ou 9e avec 2600. Oui. Donc, il y a quand même très peu de pêcheurs en très peu de grammes. Donc, on voit que chaque poisson compte. Et le fait d'avoir quitté le bord aura pu me coûter plus cher que ça. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait si peu d'écart avec tous les pêcheurs. Et moi, d'après ce que dit, j'ai vu passer Jean qui nous expliquait qu'en fin de compte, pour lui, la pêche était à peu près similaire sur tous les parcours. Donc tu vois, il y aura à peu près ces pêches-là à faire. Après, moi, ça me va très bien. C'est des pêches que j'affectionne. Hein. Toutes ces pêches de poissons un peu techniques. Bon, après, j'aime toutes les pêches, hein. C'est pas le problème. Mais au tout début, pour moi, tu tournais mieux que Stéphane Linder. Oui, mais c'est sur la fin qui m'a rattrapé. Ah, c'est sur la fin qui t'a rattrapé. Ouais. Parce que quand je suis passé à la fin, lui, il tournait et toi, t'avais le trou. Il y avait le trou, c'est ça. Il y avait le trou, et puis comme j'avais l'air trop vers le large, c'était un petit peu déréglé. Oui. Si tu veux, le moins. Tu n'avais pas remis assez de coupelles et des choses comme ça, c'est. Et puis le fait aussi de. Dans ton réglage de tenue de ligne, c'est tellement précis comme pêche, c'est tellement exigeant en termes de concentration, que dès que tu sors un peu de ta concentration, tu fais quelques poissons. C'est obligé. C'est tellement exigeant en termes de mise en place de la ligne. Si tu veux, je pense qu'à 20 cm près, t'as pas de touche. Donc voilà, si tu es un peu dispersé parce que tu as vu des poissons à côté et que tu es en train de cogiter à dire je vais là-haut, je vais là, là, mais le plus tu cogites, ça te fait dérégler et quand ça te fait dérégler, tu prends moins bien. C'était. Enfin, quand tu le dis comme ça, ça paraît simple, mais c'est ça. Mais c'est dur. La pêche à ce niveau-là, c'est. Sur ce parcours-là, à ce niveau-là, on va sur dire. Sur ce parcours-là, à ce niveau-là, c'est même une exigence. En fait, l'application très très forte pour être dans les meilleurs. Et donc Stéphane a mérité d'être devant parce qu'il est resté dans cette pêche. Il est resté concentré jusqu'au bout. Et il a fait la différence justement en étant régulier et justement en gardant l'option qui était la meilleure depuis le début. Bon bah encore merci de ta gentillesse. Qu'est-ce que je te dis à chaque fois, je te dis la même chose. Puis bah à demain. Avec plaisir, demain. Bon Jimmy, tu fais deux? Oui. Malgré que tu nous disais que t'étais pas bien. Hein, t'étais pas sûr de toi? Non, bah non, sur des pêches comme ça, forcément. On sait pas. Alors qu'est-ce ça que t'as fait? Ouais. Ah bah de toute façon, ce championnat va jouer à pas grand chose. Mais bon, après plein de touches. Ouais. Faut pas se plaindre, hein. J'ai plus de 180 poissons. Et tu les as fait où alors? À 4 mètres et 4 mètres. Et à 9 mètres 50. À 4 mètres quand je passe, mais c'est au bout d'une heure, là tu tournais bien. Ouais. J'ai vu par rapport aux autres, tu dis oui, ça tout. T'étais régulier. Après, savoir si le poids et tout, on est incapable de le savoir. Mais tu tournais bien. Et après, c'est 9 mètres où tu. Ouais. En fait, il fallait alterner les deux. Il y avait des trous, les perches, ils emmerdent un petit peu le monde. Quand t'as un trou, tu mets une coupelle. Tu remets une coupelle et tu repars au large et ainsi de suite. Ouais. C'est tellement facile quand vous le dites et que ça rentre. Et t'as pas eu 13 mètres? Non. Alors, écoute, bravo, puis continue. Merci. Ouais.